就是这样的一个纪念，最重要的是要这个保持这个纪念。正义的问题呢，永远是跟记忆相关。没有记忆，就不会有正义。那没有正义，一个国家、民族永远不可能会。那么三十年的过程，今天呢，我是觉得这个历史在发生一些重要的变化，越来越多的其实相较于前些年，越来越多的事实上，这个批判的基督徒在增长，年轻的一代呢，比如说这个老子们看的是在旁边的八九有些基本的事情。我经常也是跟说见到的人们的天津朋友，我中国的基本问题没有解决之前是怎么保证？你们是不要指望将来你们可能会看到事情，包括未来的这三年这个清零，包括这白酒造成的白酒，第一代年轻人通过他们的切身的经历，实际上在觉醒。这个批判性的在增长，我想在媒体上也是在传递八九的这种，对吧？传递八九的这种，所以在这一点上讲，我们要挂。所以，我们现在是这个，当然不是说咱这个关系不行，绝望。过多的失望，其实未来不再大于这个大的力量。Okay, let me go with the next. Let's work with that. Thank you. Moi, je suis là. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et surtout, bon, je suis élue conseillère de Paris, mais élue ici dans le 20e arrondissement. Et c'est un honneur d'avoir cette plaque en commémoration de ce massacre. En 89, moi, je me souviens. Je me souviens parce que c'est à la fois l'année où il y a eu la chute du mur de Berlin et il y a eu la place Tiananmen. Deux espoirs. Un qui a permis de réunifier l'Europe, qui a vu changer le monde, l'autre qui a massacré, qui a réprimé un espoir de liberté très profond, qui aurait pu aussi changer le monde. Et malheureusement, aujourd'hui, on se souvient bien du mur de Berlin parce que c'était un événement heureux. On se souvient moins de Tiananmen. Et qu'est-ce que c'était heureux, et on cherche à garder des souvenirs heureux. Mais ce souvenir de Tiananmen ne doit pas nous hanter. On ne doit pas nous hanter d'abord en hommage aux victimes qui se portent pour la liberté. Mais pas simplement les morts, ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés, ceux qui sont restés pendant des années et des années dans les prisons. Et c'est très important. Et cette flamme, même si aujourd'hui, Sinebi veut l'éteindre, fait tout pour qu'on ne commémore pas justement Tiananmen, pour qu'on oublie cet espoir de liberté, ce vent qui a soufflé si fort, y compris sur la Chine. Aujourd'hui, c'est même interdit à Hong Kong, qui était un lieu encore où on commémorait, parce qu'il est dans le déni, parce qu'il veut faire croire que lui seul est la Chine et que lui seul porte les espoirs. Et donc, le fait que vous soyez ici, réunis, pour dire non, nous nous souvenons de Tiananmen, nous nous souvenons de cet espoir de liberté. Nous, ceux qui encore en Chine se battent pour la liberté, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. La flamme est vive ici, mais elle est aussi vive en Chine. Et devons continuer à leur envoyer ce message très fort
nous sommes avec vous. C'est difficile, mais la liberté, elle est là. C'est un espoir, c'est une aspiration universelle et nous ne pouvons pas vous décevoir. Donc, de tout cœur avec vous, toujours, pour Tiananmen, pour la liberté en Chine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.今天是八九四届35周年的纪念日，这是对我们海外华人这些流亡的人来说是一个非常重要的。在35年前的今天，我们很多新兴的学子。 守无寸铁，为了自由和民主的斗争，每个国家都付出了鲜血的代价，付出了很多的生命。今天，全世界各地也在同样的发生着这样的事情。我们看到独裁的政府还在世界各地不断不停的存在，奴役着人民，在不停的杀戮着那些为自由而抗争的自由人士。 包括我们现在中国政府有很多还在监狱里，他们每天都被酷刑的折磨，被监禁，甚至很多人还在被杀害。在这和平的年代，我们现在还我们的国家还发生着这样的事情。八九六四事件，那些牺牲无数的青年学子，为我们做出了榜样，为我们做出了先驱。 今天我们也在这里呼吁，让我们不要让这个为自由而抗争的火种要熄灭。我们每一个人，每个爱慕自由、渴望自由、公平公正的华人，都应该用这个民主的抗争付出自己的力量。愿我们能把这个火种传递下去，愿我们每年都有这个日子来隆重的纪念为自由、民主而抗争牺牲的那些先烈们。在这里。 我们也呼吁我们华人的团体，我们要联合起来，要大家共同的贡献自己的力量，为自由、民主、公平、公正的国家而奋斗。也感谢来的各位法国和其他国家的各位朋友，在这里向你们表示感谢。谢谢大家，愿我们的国家，今天你看来了很多的年轻人，也要戴着口罩。 那为什么要戴着口罩？就是对我们国家的政府有一种恐惧的感觉，对，因为我们回去怕共产党有中国，为我们年轻人算了，我们要没办法。我们希望有一天我们的中国政府也能像法国的政府一样，让我们言论自由、公平公正，给我们一个最底层的一个什么，跟他们有一个公平竞争的机会。 Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier tous et toutes, camarades chinois, réfugiés en France, car il faut du courage pour venir comme ça publiquement se montrer. Partout, enfin dans de nombreux endroits au monde, le massacre de Tiananmen, la commémoration a lieu dans de nombreux endroits dans le monde, mais pas en Chine. Pendant de très nombreuses années, il y avait chaque année à Hong Kong une très grande commémoration du massacre de Tiananmen. Depuis 2000 et l'application de la loi sur la sécurité nationale, la Chine cherche à faire oublier Tiananmen, y compris à Hong Kong. Malgré cela, encore cette année, les Hongkongais courageux ont osé descendre dans la rue pour commémorer
le massacre de Tiananmen. Je vais finir par vous raconter une petite anecdote. L'année dernière, lors de cette même commémoration, j'ai pris la parole devant vous, devant ceux qui étaient présents, et quelques jours après, j'avais rendez-vous avec la vice-présidente des syndicats chinois, j'avais rendez-vous avec elle à Genève. Quatre jours après, donc, je la rencontre à Genève, et elle avait le texte exact de ce que j'avais déclaré devant vous, alors que moi-même, comme ce soir, je l'ai improvisé et je ne savais pas ce que j'avais dit. Je vais la rencontrer à nouveau le 12, à Genève, toujours. Elle a demandé à me rencontrer. Je suis à peu près sûr qu'elle saura exactement ce que j'ai dit ce soir. Mais il n'y a pas de problème, je lui répéterai qu'il faut plus de liberté en Chine, qu'il faut libérer, entre autres, parce que je suis syndicaliste, qu'il faut libérer les syndicalistes chinois qui sont enfermés et libérer aussi les travailleurs, parce qu'on n'a pas le droit de se syndiquer dans un syndicat libre en Chine. Il faudrait libérer les travailleurs qui sont incarcérés, souvent sans procès, parce qu'ils ont simplement osé réclamer leur salaire ou des meilleures conditions de travail. C'est difficile à imaginer, mais avec Xi Jinping au pouvoir, la dictature est devenue encore plus forte et la répression des citoyens, des travailleurs chinois, en Chine et hors de Chine, est de plus en plus dure. Et au nom de la CGT, je m'incline devant tous les morts de Tiananmen, les morts qu'il y a eu dans plein d'endroits en Chine, et je vous remercie d'être présent pour commémorer cette mémoire qui ne doit pas disparaître. Je veux vous dire merci parce que la lutte des travailleurs quelque part dans le monde sert à tous les travailleurs autre part dans le monde. Et lutter contre la dictature en Chine sert aussi à lutter pour les droits en France. Nous, 我回家一句，我三十年前对那些工会说过一句话，我说你们在这儿保护法国人的工人的权利，很快就没有用，因为那些工厂都跑到中国去，还是先保护中国工人的权利才有用。J'ajoute une phrase, j'ai dit qu'il y a 30 ans, j'avais dit devant les syndicats français que défendre les droits des ouvriers français, c'était tout à fait honorable, mais que si vous continuiez sans défendre les droits des ouvriers chinois, il n'y aurait plus de travail en France et vous auriez plus d'ouvriers à défendre. Donc vous auriez pu vous y mettre plus tôt. Maintenant, il y a deux choses. 有这个 verdict 出了，然后就是前几天的事，然后其实最大的情况其实是，因为他现在是用那个 intention， 就是你的那一个意向，如果你的意向他觉得你是有这个反中的话，你就是这一个颠覆国家。 他是用这一个方向去，哪怕是在当中辩护律师，他用不同的方法去证明他们没有能力去颠覆国家，或者是不够证据去证明他们是颠覆国家也好。但是，对于现在的司法来说，他们不管什么，他们也不是跟我们一直有的那一个司法精神去。 去审理这个事情，他们只是叫过，就是觉得你有这个意向的话，他们就会定你是颠覆国家的罪。这个是第一件对香港整个司法也是一个很大的冲击，也是证明为什么现在香港已经不再是一国两制，而是一国一制。中国的，请问你好，这是李磊。 Donc moi, je fais partie d'une association tibétaine qui s'appelle Étudiants pour un Tibet libre. Et donc moi, je suis là aujourd'hui pour montrer notre solidarité avec le mouvement de démocratie en Chine et avec le peuple chinois en général. Car je pense, peut-être parfois quand on parle de ce qui s'est passé en Chine en 89, il faut aussi rappeler qu'il y avait aussi beaucoup des étudiants tibétains, par exemple dans l'université de Pékin, dans l'université
le Nord-Ouest de l'université pour les minorités. Il y avait aussi des étudiants tibétains à Chengdu. Donc ils sont tous participés avec le mouvement des peuples chinois, avec des étudiants chinois, avec des ouvriers chinois et chinoises. Et puis, bien sûr, pour la plupart des Chinois, donc les revendications, c'était plutôt contre la corruption, avec surtout par rapport aux destructions de la culture tibétaine, la langue tibétaine et tout ça. Donc, il y avait ces liens aussi. Et troisièmement, peut-être je les ai déjà dit ça, troisièmement, c'était en 89, donc c'est mon mouvement de protestation qui a commencé en mois de mai, et donc la nuit de 3 et 4 juin, quand il y a eu cette répression, massacre à Tiananmen, donc le Dalai Lama, il voulait faire une communiqué de presse pour soutenir le mouvement de démocratie, pour soutenir les étudiants chinois et chinoises. Et il y avait ses conseillères autour de lui qui lui a dit non, il ne faut pas. Car déjà en 88-89, il y avait une tentative de, dans un sens, négociation, et la relation était en train de recréer entre les autorités chinoises et le Dalai Lama en exil. Donc il y avait ses conseillers qui ont dit non, il ne faut pas dire ça. Si tu dis ça, la Chine ne va jamais nous recontacter. Et il aura un gros impact sur le Tibet et le peuple tibétain. Et la réponse de Dalai Lama, c'était si aujourd'hui je ne parle pas pour ceux que les Chinois et les jeunes Chinois qui demandent demain, comment je peux revendiquer la même chose pour le peuple tibétain, la liberté, la démocratie, tout ça. Donc il a fait une déclaration de presse et on dit que il n'était jamais pardonné par rapport à ça, je pense à l'époque c'était Deng Xiaoping. Donc Deng Xiaoping qui a coupé tout contact avec les leaders tibétains en exil. Voilà, donc. Oui, après le prix Nobel. Donc parfois je pense qu'on oublie. 89, c'était pas très loin après tout ce qui s'est passé pendant la révolution culturelle. Je pense qu'on oublie ces contextes, ce qui s'est passé en Chine, au Tibet et beaucoup d'autres régions. Et il y avait ce mouvement qui a pris un ampleur. C'était à la fois très positif, à la fois un grand espoir qui a été. Donc pour moi, je pense que le mouvement Tiananmen est inachevé. Ça continue. Hein. C'est pas encore terminé pour moi. Donc, voilà, nous les peuples tibétains, depuis 70 ans, on continue. Et j'espère que le mouvement de démocratie, le mouvement de plus de liberté en Chine va continuer aussi. Voilà. Merci. Merci, Kamishala. Bonjour, Kibéry Bérin. Bonjour, Zongjian Yixia. Je vous dis, 也有很多所谓少数民族的人，有一些西藏人、蒙古人、汪人、都有，维族人，他们的要求跟中国学生的要求是一样的，当然，但是他们有他们特别的要求，他们要一种平等，因为在中国。 西藏维族人跟等人的，他们没有平等的待遇，他们经常不能入大学，不能这个不能那个，所以他们在这儿为了整个中国，对于列为自己的自治能力，西藏不能自治，新疆也不能，有自己的选择等等，他们都呼吁这些，所以他说。
你们也不要忘记，我们也参与了，而且我们在那个时候也是调研胡耀邦，因为胡耀邦是一个很特别的领导人，他自己跑到西藏的很多地方，而且他的贡献对我们的文化、我们的语言、我们的生活习惯都是非常重要，他帮助我们在装修在文化大革命期间的消灭掉的寺的庙的大宫殿等等，所以我们对他也是有很深刻的感情。大屠杀发生之后，达赖喇嘛说我要马上发一个新闻，我要替这个死难者调研队表示尊敬等等，他周围的顾问都说千万别做新闻声明，因为我们现在就是文革之后才开始跟中国政府又有这种比较正常的来往，如果你发这么一个新闻文章他们肯定马上就要断绝跟我们的联系。达赖喇嘛说如果我不说，将来如果我替西藏要求民主自由平等等等，如果我现在不能为了中国人所要求平等自由民主，我将来怎么能说话呢？所以他还是请一些记者来，还是说一些话，结果从那个时候开始中国政府跟西藏人就断绝了关系，以后就没有这种平等和平的对话。但是非常总结的说我们西藏人奋斗已经70多年了，你们天安门的学生和后代奋斗才35年，继续奋斗。是，大家好，我呢想谈谈对六四的看法。今年我们纪念六四35周年。以后你也有华语啊？我先说中文。好。那么我们有什么新的认识？我觉得第一，我们要历史的看，很多人已经看了这一点，它是79年。西藏民主权运动的结束，其实更远的话，穿针引线的话，我们还可以走得更远。1950年代有很多民主先烈倒在前面，只不过共产党割断了历史，很多人不知道。但是自从改革开放以来，西藏民主权的传统，他们再也无法割断，延续到八九六四的一代人以后，现在我们欣喜地看到。我们后面一片白花花的像浪花一样的白纸飞卷而来，我们只是第一梯队、第二梯队、第三梯队，我们的大部队还在后头呢，更年轻的一代人会像后浪推前浪一样把中国的民主运动推向前进，直到这个世界上人口最多现在已经降落到第二的大国真正建立民主制度，这是第一点。第二点，六四所代表的民主运动并不局限于中国境内，临近中国的地区比如香港，反送中运动就也明显的受到了八九民运的影响。为什么呢？香港人年复一年的在纪念八九六四，这是大陆不具备的条件，而他们非常具有历史感、时代感和历史的主动性，他们充分利用了这个条件，20多年来一直坚持不懈，为八九民运向整个世界的传播创造了中国大陆内部的人所无法提供的条件。当然在海外还有我们这些勇士们，虽然我们队伍已经遭受了惨重的损失，但是我们仍然在坚持，坚持到最后就是胜利。正当我个人有点灰心的时候，我忽然看到新的希望就在眼前。我们所从事的工作具有的历史意义不容小觑，
大家知道柏林墙倒塌，我们的八九民运是起作用的，虽然作用很少，但是明显超过1%啊。我重复一遍，柏林墙的倒塌，中国学生在八九民运中所提供的历史贡献绝对超过1%，哪怕是1%，低于1%，我们也不必妄自菲薄。为什么呢？柏林墙倒塌是一个多米诺骨牌的效应，而第一块多米诺骨牌只需要轻轻的一点力气就能把它推倒，而八九民运在天安门广场，在长安街，在整个北京的人山人海，远远超过推动第一块骨牌所需要的力量，这就是我们应该感到自豪的地方。我们拥有未来，因为我们已经创造了人类历史上辉煌的一页，我们创造了人类历史上规模最大的学生运动，这是整个人类历史上都没有过的，这是唯一的一次，迄今唯一的一次，这就是八九民运最起码的历史。那么我们纪念过去，评价历史，展望未来，我们也要处理一些我们日常的工作。我们眼前的工作有一点，我们觉得理论上一定要认清这一点。有人说我们八九民运一往无前的精神是好的，但是不懂见好就收。其实见好就收是一个错误的理论。我们看看法轮功吧，法轮功1999年四二五上访，大家都知道法轮功是多少和平，多少理性啊，连中共的破坏都不能得逞，是吧？八九民运他还可以让特工伪装学生在里面成兴风作浪捣乱，法轮功的那个真善人让他们都没有这种捣乱的机会，而中共党内也表现出前所未有的宽容，朱镕基总理接待了他们，这很好吧？是见好就收吧，和平落幕吧。但是后来法轮功却遭到了惨绝人寰的破，这就告诉我们啊，不长期对啊，小李对，面对中共这样的专制体制，这样灭绝人性的政权，见好就收这条路走不通，我们需要重新思考我们的战略、战术和策略。Merci Marie. Merci Marie pour le travail.